Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire un unboxing du premier single album japonais de GOT7, Around the World. Donc toujours dans ma continuité de finir ma collection de GOT7. Et je veux pas arracher le plastique, mais comment est-ce qu'ils ont fermé ça? Comment est-ce qu'ils l'ont mis? Comment est-ce qu'ils l'ont fermé? Ils ont ouvert ça comme des porcs. Ça m'embête. On va faire comme ça. Voilà. Donc avec la petite étoile avec les informations dessus, comme souvent sur les albums japonais. Le hobby strip, le devant, derrière. Alors je sais pas si vous verrez, mais c'est voilà, c'est abîmé ici, mais je le savais. Honnêtement, je l'ai payé 72 centimes, donc c'est pas un souci. Le CD. Et puis, du moment, ça date 2014. Avec les paroles. Ça, c'est les photocards à quoi elles ressemblent du coup. Des crédits. Et c'est tout. Voilà, comme d'habitude. À force, on le sait. Hop, moi je mets ça là. Et voilà. Donc c'est tout pour cet unboxing. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Au revoir.